Salut à tous, c'est Naïdan. On se retrouve pour un clic en trop, évidemment. On va reprendre notre partie de Far Cry 4. Là où est-ce qu'on l'avait laissé, donc on venait de prendre un avant-poste. Ou non, je ne sais plus. On va voir ça tout de suite. Je pense que c'est l'avant-poste, voilà. Donc on va continuer notre petite aventure ici, Far Cry 4. On va continuer dans. Peut-être dans la prise de tour, je ne sais pas. Ce serait bien, peut-être on va faire ça, on va là, passer là, 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 et ici. On va déjà faire ça, ce sera déjà une bonne chose, mes amis. Et c'est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, même à faire de la pub, évidemment. Ça serait super sympa, et on va continuer donc, comme je vous l'avais dit. On va continuer notre aventure Far Cry 4. C'est parti, les amis. Bon, je vais aller prendre une voiture. Je vais pas faire l'autiste pour une fois. Il y a quand même mieux. Le cache d'ici. Bah, une ouverture en fait. Ça, il va falloir aussi que j'aille chasser le caribou ou quelque chose pour augmenter mes places. Allez, casse-toi, autiste. Ici Voilà. Radio Free Pirate avec Ravi Rerana. J'ai horreur de la vie. Voilà, on va y J'ai aller vu un avion qui tranquillement en s'est mode découplé de 7000 unités aéroportées. tranquille. Mais On va Ravi, j'ai vu des avions atterrir à avancer. tes côtés. Oui, Et on est comme nous donc tous. à 500 Ils ne mètres s'arrêtent pas déjà les de passagers. notre Ils sont objectif. juste remplis. Rien de bien méchant. Tiens, il y a un Je Sherpa vous le ici, répète, on va pas le tuer. tout un On navire va entier tenter de pas le tuer est en aujourd'hui. ruine. Alors bon, je suis pas La du fois genre à passée, fouiller dans ça les n'a pas coffres. été un franc succès, évidemment. Ça va chercher en moyenne dans les 100 à 300 dollars américains. Voilà. Un seul gramme On est chaud a tout. une caisse Je ici, peux mais vous c'est le pas répéter. grave. Il y a pas mal de plantes sur les côtés, vous avez vu. Donc, on va prendre la route de droite pour les contourner. Voilà. Enfin, eux ont pris la route de droite, moi j'ai pris la route de gauche. Difficile de s'exprimer parfois. Voilà, on la joue en mode bourrin. Ici on est chez nous. Ah ouais! En fait je suis occupé de prendre un camp à la bourrin là, c'est ça le concept. Je pense. Elle est où là? Elle est là-bas, ok. Ils vont appeler, bah ouais, bien joué. C'est pas faux que j'ai essayé, hein. Mais je ne trouve jamais l'emplacement de l'alarme. Oh, c'était quoi ça? Bon, on va se soigner parce que il me fait très mal. Je vais me soigner. D'accord, c'est un chien. Il n'y a qu'à attendre, hein, simplement. Ils vont arriver. De toute façon, ils vont quand même appeler de l'aide. Je peux plus rien faire. Oh, c'est bon, ça fait mal par contre. On va se mettre dans un coin. Et on va attendre. T'inquiète. Il est là, il est là, voilà, on peut le voir déjà, hop, tu vas prendre une danse garçon. Là ici il y en a un, il y en a un. Voilà. Vous voyez même avec des alarmes, hein, c'est pas un problème. Je vais quand même essayer de pas mourir, bêtement. Boum, voilà. C'est ce que je cherchais. Ici, il y a un gars. Voilà. On va prendre le petit flag. On va péter l'alarme qui est ici. Bon, j'espère ne pas mourir ici, ce serait quand même
vachement dommage. Mais non, mais non, je vais pas me rendre. Il y a du monde, évidemment. Ils m'attendent, ils sont contents. C'est des copains ou pas. Oh putain. Shotgun, ça, ça pardonne pas. Je suis mort, je crois. Normalement. Le shotgun, il veut ma peau, hein. Waouh. On va la jouer en mode bourrin. Voilà. Pour le moment, on s'en sort relativement bien. Là derrière, je pense. Non. On va. Gentiment. Regardez, regardez. Et je pends dans son dos. Et voilà. Nous avons libéré donc ce camp. Le textile Barnali. Un avant-poste libéré. Ça n'a pas été très très facile. Bon, j'ai quand même réussi à. Enfin réussi. J'ai des problèmes d'élocution moi aujourd'hui, c'est fantastique. Donc je disais, j'ai quand même réussi sans mourir. J'ai fait un effort. Vous avez vu. Voilà, bon. C'est un shotgun, c'est bien beau, mais ça va pas me rendre le Congo. Putain, j'aime bien ces expressions de merde. On va prendre une bagnole maintenant. On va se casser. On va faire ça direct. Super, la bagnole inutilisable. Quoique. Ah, quand même. Voilà. J'espère en tout cas que vous appréciez toujours cette aventure Far Cry 4 avec moi. Je vais quand même regarder où je vais. Wow, dans le décor. Voilà, on fait le malin. Donc ce but a. Ce jeu a pour but de vous faire découvrir et partager ce jeu. J'espère en tout cas que vous appréciez la démarche. Si jamais vous êtes bloqué, n'hésitez pas aussi. Ça fait toujours plaisir d'aller voir. Je pense que c'est par là. On va prendre la petite route. Hein. Ouais, bon, je vais devoir descendre. Et la jouer en mode grappin, je crois. Donc n'hésitez pas, hein. Il y a plein de. Ouais, là-bas aussi. Il y a plein de façons de chaque fois arriver à notre objectif. C'est pas. Douche. Voilà, c'est parti. Alors n'hésitez pas, évidemment, il y a toujours moyen d'arriver à notre point. Voilà, on y est. Bon, c'est assez bourrin ce que je viens de faire. Et vachement inutile parce que j'ai dû décimer la faune et la flore. Je vais quand même regarder si je sais pas confectionner un petit truc là. Sac à butin. J'ai besoin des pots de poisson démon. Et finalement, je n'ai pas. Ouais. On va éviter quand même de cramer toutes ces munitions ici. Ce serait vachement stupide parce que pour commencer j'ai déjà pas de flingue. Ouais. Comment je peux monter là-haut? Je file le monter là-haut, y'a vol. Ça j'aime pas beaucoup ça. Ah punaise. Là-haut. Là y'a un truc. Vas-y, le grappin. Mais sérieux. Yosh. Yosh. Ah, super. On a déjà un sniper là-haut. Bon, en plus, je suis même pas capable de viser. On va aller loin avec ça. Bon, lui, franchement, il va être sympathique.
à faire. Oh là 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 là. Et après? Wesh. On va se balancer. Oh, c'est quoi ce délire? Ils sont partis totalement en sucette, les gars. Totalement. Bon. Il y a l'air qu'on puisse et qu'on sache monter par ici. Ouais. Waouh. Par en dessous, en fait. Via la fondation et via une grotte, on s'est accédé ici à ce truc. Bon. C'est déjà ça de fait. On va dire ça comme ça. C'est un truc de dingue, en fait. Hein. Je vous jure. Bon, j'ai déjà des munitions. Oh, là, il y a du monde. C'est quoi ce truc de dingue? Pourquoi il y a... Ah, sniper. Bon. Ça commence déjà très bien. J'aime bien ce genre de début. Bon. Alors. Allons-nous. Ici. Par où qu'on en fond. Donc c'est par ici. Je pense par ici l'échelle. Voilà. Je dois encore monter un ou deux étages, je crois. Ce serait trop facile sinon. Ici. Voilà. Voilà. Oh, j'ai cru qu'il y avait un gars. Je me suis dit, je vais pouvoir le cut. Mais même pas. Ah, j'aurais voulu prendre les flèches, mais j'en avais déjà de trop. On va y arriver. Voilà. Hop. Voilà. Tranquillement. Oh là là. Et on est au-dessus. Nickel. On arrive, doucement. Hop. Et voilà, on y est. Voilà. On va donc, voilà, détruire ou pirater le signal afin de ne plus entendre ces conneries. Voilà, 10 sur 17. Donc j'ai commencé à déjà faire un peu mieux. Je suis à la moitié du jeu. Dépôt de munitions, ça peut être bon. En même temps, je peux acheter des munitions, c'est pas un problème. Voilà. L'inventaire, où je le trouve? Ah, peut-être ici. Confection seringue. Où puis-je donc faire des seringues? Bon. Ce n'est point grave, on a déjà avancé, donc on va se retrouver là au clocher comme je vous l'avais promis. Attendez, hein. Il faut pas que je me plante, donc c'est la route qui est en face et qui a l'air de passer par un pont. Je pense que c'est par ici, mais on verra bien, mes amis. Hop. On va utiliser la tyrolienne pour redescendre gentiment. Ah, et regardez, c'est pas beau la vie. Et voilà. Oh mince.
va pouvoir tranquillement, tranquillement, je lui. What? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tranquillement pouvoir contourner la montagne. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il fait ça? Avec que j'aurais compris pourquoi. J'espère trouver une route assez vite. Voilà, merci. C'est par là que je veux aller. Ah, c'est jeune, ça croit pouvoir piloter un hélicoptère et tout de suite. Ah, bon. Je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Bon, eh bien, adieu. Eh ben, ça règle mon problème. Ça règle évidemment bien mon problème. Les poissons, les poissons. Où est-ce qu'on voit la verre? C'est quoi ça? Non, on s'en fout. C'est quoi ça? Chanat, non. Éleveur de chanat. Déplacement rapide, oui. Bon, et ben voilà. Je pensais pouvoir aller déjà dans une zone presque prochaine, mais j'ai pas fait assez de missions a priori. On peut pas, comme dans le 3 en fait. Dans le 3 j'avais fait ça vite fait. J'avais débloqué toutes les tours, on va dire ça comme ça. Et puis directement j'avais pu arriver très très vite dans le jeu en fait. Et je pense qu'ils ont remédié à ça. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr maintenant. Des flèches, des flèches. Bon, ouais, objet. J'aurais voulu pouvoir confectionner quelque chose avec mes plantes, évidemment, mais c'est pas le cas. Parce que j'ai quand même l'impression de pouvoir faire ça avec mes plantes, ce serait bien, non? Bon, alors je m'étais volontairement TP ici, les amis, pour trouver des poissons. Oui, des poissons. On va rejoindre donc le lac. Et les poissons de je ne sais plus quoi alors qui m'attaquent. On va chercher ça et pouvoir agrandir. Voilà. Ils sont là? Wow. Si j'avais de quoi les défoncer, je le ferais. De toute façon, j'ai pas de place dans mon inventaire. C'est bien là le problème. Bon, il faut que je chasse les poissons. J'espère en trouver parce que bon, je suis quand même dans l'eau évidemment. C'est quand même le meilleur moyen de trouver le meilleur élément pour les poissons, c'est l'eau. Ah là! Putain, comment je peux le shooter ce bâtard? Pardon. Ouais, comment? Peut-être avec un harpon. Ok, bon bah super, on va se retaper. C'est gagné. On est parti comme un blaireau, on a pris quelque chose, mais pas ce qu'il fallait. C'est gagné, c'est gagné. Bon. Toi, toi. Je m'occuperai de toi après. Alors, acheter personnalisé. Non.
faire ça. Écoutez, c'est déjà ça. Bon, il me semble, voilà, que mes munitions étaient évidemment max. Et on est donc reparti comme des autistes à chasser le pichon que j'avais évidemment bien trouvé. Ça c'est pas la bonne touche les amis. Hop, on va prendre l'argent. Mais vous voyez, j'ai toujours le problème d'inventaire, donc c'est pour ça que je voudrais régler le problème et tenter. J'ai bien dû tenter. Attendez. Comment chasser le poisson.com. Ben on va tenter à la surface. Regardez-moi, je suis occupé d'essayer de chasser un poisson, quoi. C'est vraiment pitoyable. Lieu autiste. Attendez, je vais faire une petite manip. Bonjour Google. On va savoir ça tout de suite, évidemment. Quel est le problème? On va savoir tout de suite. Ok, voilà, bon ben voilà, j'ai ma réponse. Lancer un appât. Alors j'ai plusieurs techniques de pêche très aléatoires sur internet, évidemment. Il y en a qui pêchent au lance-roquettes, il y en a qui pêchent à la grenade, il y en a qui pêchent à l'appareil photo. Ok, bon. Non. Non. Attendez, là pas. Ah, d'accord. Alors. Non. On va essayer de... Non. Non, évidemment, la pêche au C4, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Non, pas la mine non plus. Je voudrais choisir l'appât. Par contre, je sais plus du tout comment je faisais. Pêche normale. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas. Qu'est-ce que je suis occupé de balancer comme un autiste? Super. Bon. Eh ben, je suis reparti dans les contrôles pour retrouver comment, évidemment, choisir l'appât.
petit peu oublié, évidemment. Le problème de ne pas jouer pendant un certain temps, c'est ça. D'accord. Bon, et ben voilà. On va chercher ça tout de suite, on va trouver ça tout de suite. C'est un petit problème, mais le problème est résolu, on va pouvoir maintenant. Ou pas. C'est une blague. Super. Bon. On va remonter, on va tout faire péter. C'est pénible. Je ne sais pas comment sélectionner les appareils, ça commence un petit peu à m'énerver. Non. Là, ça c'est l'appareil photo. C'est toujours la même erreur en fait. Non. On va y arriver. Franchement. Non, flèche normale. À un point, évidemment, ça c'est bon. Eh ben, je vais retourner sur internet. Désolé, encore une fois, je suis incapable de lancer un appât. Voilà pourquoi. On va encore continuer à chercher parce que on est bloqué. Alors. D'accord. On va stipuler PS4, étant donné qu'on est en PS4, c'est le problème. Sur PS4 comme pour une grenade et compagnie, ouais. On va faire la recherche à pas. Et y a pas. À pas. D'accord. On est dans la merde, les amis. On est incapable de lancer un appât. Un appât. Bon. Eh ben, on va chercher. On va regarder une solution internet. Non, on s'en fout.
suis dans la mouise. Bon, eh ben j'ai toujours pas eu de réponse plus que ça. On parle de R1 pour qu'on fonctionnait pour jeter le lapin. Mais je ne comprends pas plus que ça. Non. Peut-être comme ça. Non. C'est un truc de fou. Bon, il n'y avait que ça que j'avais pas testé, de toute façon. Ok. C'est quoi ça? Je balance un truc, mais quoi? C'est un truc de dingue, hein. Bon. Qu'a priori, j'ai eu de la moule quand j'ai dû chasser ce poisson, quand j'ai eu ce poisson. Parce que c'est un truc de dingue, comment jeter un appât? Bon, je pense que je vais même essayer de retrouver la solution moi-même. Bon, on va faire ça, écoutez. On ne va pas regarder à ça, tant pis. Je vais pas trouver. Ça me saoule, mais alors énormément. Parce que du coup, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas augmenter mes trucs. Et généralement, j'aime bien augmenter mes trucs. Bon, alors la carte, les yaks. Où est-ce que j'avais trouvé? Là-bas, je crois. Loup tibétain. Tigre du Bengale. Rattel, cochon. Bon, on va continuer, écoutez. On va continuer l'aventure. Je ne sais pas du tout où on va se trouver. Attention. Là, il y a des événements. Là, il y a des événements. Alors, c'est quoi ça? Macaque. Non, pas besoin de macaque. Pas besoin de tapir. Des missions lui inconnu, ok. Ah, je pense. Toute façon, très difficile, très difficile. Je pourrais faire ce que je voudrais, ce sera du très difficile. Il faut que je continue des quêtes. Bon, j'ai une quête ici. Ce qui m'ennuie fortement, mais bon, on va faire ça, tant pis. Je vais essayer, ou alors je vais essayer de faire une mission là, on verra ce que ça va donner. Parce que le problème du Schmilblick ici, c'est que quand on prend une, on la voit pas forcément sur la carte ou dans un comment dire, dans un journal en fait. Qui fait qu'on est assez vite limité. Oui. Mais bon, allez, on va faire ça, tant pis. C'est parti pour le plein de munitions. Et c'est parti pour l'émission, évidemment. Bon, on va voir ce qu'on nous propose ici. Que nous propose-t-il? Là, on en a deux. Donc, on a. Maître de l'avant-poste. Et ici, on a quelque chose. Ici. Maintenir.
Je vais maintenir et je vais... Quelle est ta position ? Je t'envoie les coordonnées ! Traîne pas ! Ils tournent ! Rejoignez les civils. Ok, c'est parti. Bon. Et on va tenter de survivre parce que il était quand même marqué en grand survie. T'es sérieux ? Tiens. Ça me fait chier, hein. Je suis obligé de les tuer, mais je peux pas les récolter. Je dois les protéger. Septante mètres. Où sont-ils? Je ne vois personne, je ne vois rien. Est-ce que c'est normal pour des tigres de chasser en meute comme ça? Voilà, bon. Alors, t'es où toi? Non, c'est parti. Là. Bon. Je suis pas très discret par contre. Bon, ok. On va recommencer la mission. N'a pas été très efficace, on peut dire ça comme ça. On va faire ça, ouais. Est-ce que c'est normal pour des tigres de chasser en meute comme ça? Paris, j'ai trouvé comment utiliser les apocs. C'est une blague, je suis dégoûté. Si c'est ça, je suis dégoûté. Non. On va éviter la grenade quand même. Ce serait une mauvaise chose. À mon avis, j'ai pas pris le plus facile encore une fois. Au secours. C'est pas facile de voir d'où ils viennent. Écoute bien. Tu devrais pouvoir les entendre avant le départ. Attention ! Et là. Et où? Bon bah je vais dégommer à la grenade. Super. Et où? Bravo. J'ai réussi les amis, me demandez pas comment j'ai fait, je l'ai fait. Bon, je l'ai dépecé. Super. J'ai pas tout compris mais c'était bien. Évidemment on est près de l'eau aussi. Bon, là, j'ai réussi cette mission, je sais pas comment j'ai fait, franchement. J'ai un petit peu bourriné quand même, je vous l'avoue. Merci à toi. De m'avoir sauvé la vie.
à la grenade. Bon, je suis tenté. Non, j'ai compris, je pense. Bah ouais. Bah là, y a pas de poison. N'est pas intéressé. Souvent comme ça. Alors, on est où? Bah en fait, on est exactement de l'autre côté. Là où j'étais arrivé. Ok. Va remonter pour éviter de crever, les amis. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous appréciez toujours ce petit moment de détente et de misère intense. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça fait toujours plaisir sur ce stream. N'hésitez pas, en tout cas, merci à tous de me suivre, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas donc à cliquer en trop sur YouTube et Steak 666, il me semble, sur Twitch. Ah, il est là, chacal. Il m'a bouffé le tiens communiste. Et voilà un deuxième poisson, je pense. Peau de poisson démon. Voilà, il m'en faut un deuxième maintenant. On va donc monter à la surface pour éviter de crever par le manque d'oxygène et on se remet en chasse. Oi, c'est quoi ça? Ah ben il est là, allez viens, viens bébinou. Nos trois peaux de poisson démon, si je m'abuse. On va quand même retourner voir. Oh, il m'en faut une quatrième. Évidemment, ça c'était trop beau. C'est reparti donc pour la quatrième peau, quatrième et dernière, la confection de notre sac à butin. C'est parti.
laisse pour aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Salut à tous, bye bye.